Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons, nous analysons les points saillants de l'actualité. Voilà encore aujourd'hui, lundi 13 mai 2024, bon début de semaine à toutes et à tous et surtout notre communauté Kogo et Oboza disséminée à travers le monde. Et voilà quelques points d'actualité tout sélectionner Nabino, Oyo, Italie, Makambouya, là. Conflit, les conflits dans l'Assemblée nationale où l'Union sacrée est commis divisée. Pour l'instant, l'Union sacrée est commis divisée. Pourquoi l'Union sacrée est commis divisée? C'est comme ça. Tout commenter, tout analyser la chose, nous tout analyser comment les choses se passent. Tout comme ça, tout sous l'encours de cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la session du bureau d'âge du Sénat où l'Elo monte au Zouba. Bientôt là dans quelques heures pour installer Bango Kalaming de bureau ça comment awa nous sommes déjà 11h, vous nous suivez déjà 11h heure à Kinshasa. Je crois que cette émission vous allez suivre ça un peu en retard par rapport à ma condition, il y a électricité. Voilà mesdames et messieurs, nous allons en parler au cours de cette l'essentiel de l'actualité. La sécurité en République démocratique du Congo, la situation de l'Est République démocratique du Congo, nous allons aussi en parler, comment les choses se passent ces derniers temps par rapport à les informations que nous venons de recevoir depuis le week-end au niveau Nord Kivu, comment se comporte l'opération Vengeance du Léopard. Donc, sur l'angle de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité auxquels nous avons sélectionné. Oyo lelo tokomega to commenter, to décortiquer. Et puis nous allons vous allez suivre quelques réactions. Il y a Augustin Kabuya, il y a ba député Oyo ba Kabwani au cours de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue et abonnez-vous massivement sur Top Kin Info. Voilà, mesdames et messieurs, nous retournons sur le point d'actualité où il y a tout pour circonscrire matière de solo la lelo, l'union sacrée et ça divisé. Oui, effectivement, l'union sacrée est comme une bloc. Pourquoi l'union sacrée est kabwani à l'instant? Parce que en sciences politiques, on dit la gestion est à la collective. Faut vous la bino nion ensemble comme l'union sacrée salama. Il fallait ba gérer ensemble. Mais ni ne za ko déranger. Ni ne sale aujourd'hui que l'union sacrée et comme on a bloc union sacrée. Ndenge to yebeli yango. Selon les ba misus ba lobi que l'union sacrée a ba chalé liste. Na union sacrée au salami ya 200 députés nationaux bazako telemela les présidium ya union sacrée par rapport ya leur première position au bazwaki les 200 députés ba bengi mon bazaba ba députés union sacrée ba députés ya union sacrée ba députés républicains ya union sacrée. Voilà les 200 députés républicains de l'Union sacrée. Ba boy ko cautionné ma bêtise. Ba boy ko cautionné ma dictat. Il y a ma patron, il y a ma chef, il y a ma autorité morale. Bango ba lobby faut to respecter, faut to accompagner la vision chef de l'État. La vision il y a qu'à faire accompagner na six principes, six ba piliers na yo évoqué lors ya installation, il y a discours ya investiture na yo. Et voilà la raison pour laquelle ces 200 députés ba telemeli complot nyo ba telemeli présidium ya union sacrée par rapport ba monaki.
selon la rumeur Nenge Bimaki, Kamere, premier président de l'Assemblée nationale, vice-président, il a revenu dans l'IDPS, deuxième vice-président, Mosso. Rapporteur, je crois que c'était dans l'Issewana, parce que je n'ai pas, j'ai laissé la Bosnie comme l'Issewana, c'est professeur Njoli. Rapporteur adjoint, le fils de Baad, la liste est circulée. Et on va fuiter qui est. Et les caissiers adjoints, donc. Rapporteur adjoint, non, c'était, il y a poste et opposition. Kester, c'était le fils de Baati. Hein? Kester adjoint, Kester ou fils de Baati ou la sœur de Jean-Pierre Bemba. Kester adjoint. Voilà. Ces députés, ben, ils n'ont pas senti rien. Et ben, ça là qui bloque, il y a 200 personnes pour dire non à l'autorité morale. Non à la dictat. Parce qu'il y a un mandat à peuple. Il faut pas aider le peuple. Et surtout Mbosso. Et au Caire, il y a un scandale financier. Au Saint-Lô, le député Wana. Mbosso exigeait si c'est 1 milliard de dollars pour l'installation du bureau. 1 million ou 1 milliard comme ça. Pour l'installation de. Je vais vous laisser d'abord suivre cette vidéo qui. Il y a député républicain de l'Union Sacrée Oyo ça là qui déclaration on va dénoncer tous les mafias Oyo Salamaki Oyo Zako Salama bango ba traitango népotisme le clientélisme le tribalisme Oyo Linko Reni nakati ya Union Sacrée et je vous laisse suivre et puis nous allons revenir tout à l'heure. Réagissant à la proposition des candidats à aligner pour l'élection du bureau député de l'Assemblée nationale faite par le président de l'Union Sacrée, faisons la déclaration suivante. La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Il est donc inacceptable qu'une province, une tribu, ou un espace provincial occupe deux postes au bureau, alors que d'autres sont absents. Conformément aux engagements du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, ce mandat sera consacré à la lutte contre les antivaleurs. Les députés nationaux républicains ne peuvent accepter des candidatures teintées de népotisme. Tout en reconnaissant les principes de solidarité dans l'attribution des responsabilités, ceci demeure une exception car les règles et les poids politiques, résultat du vote populaire, critère démocratique par excellence. Par conséquent, les députés nationaux républicains demandent à l'autorité de référence de l'Union Sacrée de rejeter la proposition faite par le Présidium et d'exiger la représentation équitable des provinces, le respect des poids politiques et de refuser tout népotisme. Les députés nationaux républicains ne voteront jamais des candidatures ne tenant pas compte de ces principes républicains. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Bolandi, député Ndenge Balobi, Ndenge Naute Koloba. Après cela, il y a eu des députés, il y a eu l'Union Sacrée Babu. Non! Les députés ont été en train de vivre en besoin. Parce qu'il n'y a eu pas une réunion. Mais il y a tout le monde qui va réunir, il y a eu Salama, comment Mbosso bloquer la situation. Mbosso n'est pas un lobby qui est un lobby à Wake. Non, Mbosso n'est pas un lobby qui est un lobby pour se servir dans les mots. Mbosso aussi, il y a un dossier. Il y a gestion naïe, oyo. Ils ont aussi flou. Il y a un scandale financier. Non seulement pour installer bureau, mais il y a des véhicules. Oyo somba maki. Oyo eza koloba aussi. Que nous attendons à quand la justice va se saisir
Voilà une classe politique congolaise Oyo Lelo et ça loin y'a qu'on trouver y'a qu'on défendre y'a qu'on louer solution à peuple par rapport à ma comportement y'a ma terre politique et voilà ma déclaration salam voilà jusqu'à ce jour on n'a pas un gouvernement. Tout ça, le gouvernement est depuis le nommé premier ministre. C'est par rapport. C'est par rapport au comportement. Aujourd'hui, rien ne marche dans les pays. Les Congolais vont souffrir. Les Congolais vont comme jeter déjà l'opprobre au chef de l'État. Il y a certains Congolais qui vont regretter pourquoi j'ai voté Félix Tshisekedi. Parce que rien ne marche. Je ne sais pas pourquoi fait ce qu'il dit. Azo c'est là, Azo le col a un pasteur. Azo n'a pouvoir, Azo se comporter comme un pasteur. Certaines basoro qui ont des laxismes au pouvoir, qu'on laissait aller. Est-ce que le chef de gang ne peut pas taper la main? Y a aucun bis à l'union sacrée. N'a pas caprice, n'a pas un basoro ça. Oh lelo, même. Le critère, il y a le premier ministre pour voir ça, maman, le gouvernement exalte sous le problème. Voilà, l'ensemble est bloqué. Les choses ne marchent pas au pays. Le pays est tigalineti. Donc, on est ingouvernable. Moutamoutazosa la loi n'aï. Total côté prime, dans le transport, n'en parlons même pas. Les biens sur les marchés. Donc, chacun a sa loi, il y a un gouvernement. Tout ce qui est, ce qui est un gouvernement en place. Ce qui est vraiment un bateau, la Cour constitutionnelle avait interdit de s'immer, de faire courant. Il y a un élu. Il y a un chef de l'État qui est plus loin et qui a imposé. Mais il y a un monde qui a changé mes actes. La vie est commise. Et comme il dit, difficile, pas de courant, pas de mailles, pas d'électricité, pas d'eau. Malgré qu'on nous donne des dates au courant, Tolandi, les directeurs, il y a distribution ville à Kinshasa d'ici les 15. Mais la situation est qu'on a normal, il y a électricité. Combien de dates va payer ça pour raison à rater? Les Congolais vont croire dans un message. Est-ce que ça va être ça? Pour que ça va être belé. Pour que ça va être belé. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est toujours dans le cadre de la souffrance où les Congolais ont mené au Lélo. Deuxième mandat, c'est ce qu'il dit. Et comme il n'y a pas de doute, que tout le monde a un changement. Et certains vont poser la question, est-ce que. L'idée personne, quoi qu'il n'y ait pas, Tshisekedi, sera juste pour voir. Bon, Tshisekedi, est-ce que pourquoi Tshisekedi n'arrive pas à appliquer la philosophie? Il y a idée personne, il y a pensée, il y a père, il y a Tshisekedi. Et ça, c'est ma solo. Toyoki, voilà. Il y a un autre chose là-bas. Toyoki, c'est qui? Ma politicien va retrouver solution à peuple l'intérêt à peuple tout bazo c'est la grave intérêt na bango mo tolani mbosso tolani pardon ba information sur mbosso to uti koyoka aussi ba ti kuebo o esa ba révélation to yoki ke ba ti kuebo. Le gouverneur militaire, tout ça c'est le gouverneur militaire à réagir sur les affaires, sur les alloukouta. Accorder exonération fiscale na Bahati Lukwebu. Na 13 concessions na Ezana. Na Nord Kivu na Goma kuna. Bah accorder pour nani. En guise de quoi? Voilà ma comportement, ma politique. Voilà la raison pour laquelle les députés bazoboya bakombo batuana bazonga. Bon, ils n'ont rien servir le pays.
Ça n'a pas un intérêt d'abord. Maintenant, le gouverneur militaire, dans le bana conditionnel, aurait accordé exonération fiscale na baati du kobe pour asalinin. Pour nanin, pour quel intérêt? Exonération fiscale. Le paiement, il y a ba po impôt foncier. Na ba revenu locatif. Na ba immobilier naïe m'accorder exonération. Exonération par rapport à quoi? À Salinini Nini à Pessina Nord Kiv Nini à Salina va déplacer à Tana va déplacer. Est-ce que je vais déplacer à Tébangona ma concession naïe? Est-ce que Azou va déplacer tu sais on a bah immeuble na bah on va vendre en attendant la solution ça la trouver na bah na go vendre toi ça libre action caritative au bénéfice y a bah déplacer on le gouverneur militaire a accordé exonération fiscale na 13 concessionnaires pour na bah impôt foncier et puis ba revenu locatif ya ba immobilier na. Voilà mesdames et messieurs. C'est peut-être d'un boyo qui ba député ba zoza ni na ba on par rapport na donc ils ont une philosophie ya ba Kabila ya ba Mobutu sont ba dans le pouvoir faut ba bénéficier ba avantage moko boy na mboka. Voilà. Ce qui dérange. Ce qui dérange. Est dérangé. Et voilà, aujourd'hui, l'Union sacrée en difficulté. 200 députés. Oyo baza ba bengani ba républicain. Oh, le Lopez de Bangui, ça, les 18. Caméra rose à la bouger. Pour bon, boy, cause à la. Bas à la manipuler et tout mon qui parmi les descendants il y a aussi des lits d'épais bas à la kiwana mais au gista kabouya a convoqué que bango dimanche à les 12 la siège à l'idépais pour une échange vous allez comprendre au gista kabouya après c'est bon mot d'ordre. Vous évitez qu'est-ce qui s'est passé après ce que Kabouya, le bazon en Anzela, va respecter vision chef de l'État, va respecter le présidium. Est-ce qu'après cette rencontre, ils vont rester dans la logique? Il y a IDPS, il y a le secrétaire général à IDPS, Augustin Kabouya. Toba rotika la kaka ba Union sacrée républicaine pour nous défendre. Cause ya peuple. Cause ya fait tisekedi. Toi ba relation entre Augustin Kabouya na Vital Kamerhe ndenge sale. Toi bi makam to solo. Est-ce que ba koyoka to ba koyoka? Voilà mesdames et messieurs la situation. Donc l'Union sacrée a divisé. Bien que il y a certains membres babi que non makenda qui vit en benzone il fallait baser la nanou mais ben comme misa après ma pression en ande bamboso baser tiraki selon les informations bamboso va rester qui deuxième vice président tikali vite rapporteur Njolia Zuyamo rapporteur adjoint wana ya opposition Kester, Nana Bimita ou ta son en Katang, la géopolitique n'est-ce que Babina dans l'Assemblée nationale. C'est suite, n'a pas pression, il y a 200 députés. Et ils ont allé même contacter l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Godin Poi. Pour soutenir Yaza la candidat indépendant. Godin Poi, c'est retiré. Non. Yaza Ranakata, il n'y a pas respecter le président.
Est-ce que vous vous présentez encore un autre candidat? Ils vont solliciter un autre candidat entre Bango, on ne sait pas. Donc, j'ai match à ma belle, match à ma belle, dans la Union sacrée, ils ont vraiment, ils ont tambouré, ma belle, fait ce qu'il faut taper la main sur la table pour remettre l'autre garant de bon fonctionnement. Il ne faut pas laisser tout le monde faire quoi que, oh, bah, on mette mes akosenga, oh, bah, il merde, bah, on a akosenga. Bah, grimacer, il était président de la République. Bah, grimacer, comment vous pouvez laisser bah, grimacer à yo? L'union sacrée. Vous avez le pouvoir même de dissoudre l'Assemblée nationale. Sur le baboy kotosa. Il faut taper la main. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que non. Les torchons brillent dans l'union sacrée. Oh, le lieu de éviter soubi et soukandengeni. Donc, comme on dit dans la logique élémentaire, quand les premiers y sont fausses, la conclusion aussi sera fausse. Alors, tout zobanga. Deuxième mandat, chef de fait, c'est que de simba tout le simba te n'a pas tractation. N'a pas tout bazo n'a pas bango kak. Bango kak. Mais moi, que je simba te. Comme je vous ai dit, dans le début, que non, la situation, il y a Congo za bien te. Peuple congolais za kolé là. Passez l'équipe, passez mak et bakami. Tout ce que l'on a. Donc, semaine ou semaine, tout le monde a 5 mois sans gouvernement. Passez pas comme tu évites, tu vas pas profiter de part dans le monde, tu évites. Tu as là le dossier dans le monde. Tu as là le dossier. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons chiter rapidement. Il y a eu beaucoup à dire. Nous allons prendre la sécurité. Donc aujourd'hui, c'est l'installation. Il y a bureau, il y a Sénat, bientôt là déjà. Bazo se prépare pour installer le bureau d'âge. Il y a Sénat. Oui, oui, il faut ça la malélo. La sécurité, en tout cas, l'évolution, selon bah, les ONG, bah, société civile, il y a Nord Kivu. En tout cas, l'opération lancée, l'opération Vengeance du Léopard, se porte vraiment bien. Les militaires, les Wazalendo, Bazo bah, s'est comporté bien à terrain et au moment où toujours, bah, ils ont récupéré la localité hein, de Mutanda. Depuis le week-end, même Massa c'est banal, mais même Bazo qui m'a très vraiment manqué après avoir récupéré Mutanda pour passer à la ratissage. Et voilà, mesdames et messieurs, la situation, nous faisons quoi que la paix va se rétablir dans la République démocratique du Congo, je crois. Aussi, Sadek, il y a aussi à l'écart qui n'a pas ça, pour voir le positionnement. Et puis, je crois que les actions avec Sadek, ça va, la mission conjointe, hein, et pour booster encore davantage la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité, tout le monde est au Lobelabino. Mais je vais vous laisser suivre. Augustin Kabouya qui vraiment parle sur tractation, frustration au sein de l'Assemblée nationale, bureau, ils ont ça la matin, les raisons avancées par Augustin Kabouya, est-ce qu'ils ont tenir, est-ce qu'Augustin Kabouya a-t-il raison de le dire, et ça demande la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo pour que les bêtises soient toujours au monde. Et ça, la matière, est-ce que fait ce que dit en tant que garant de bonnes fonctions, en tant que garant de la nation et yende azako ko dirige moko, il ne pouvait pas dire un mot naba dans sa famille politique, il va mettre fin naba des ordres au nion sort isako salama. Est-ce que ça vrai, ça problème à constituer, ça problème, il y a leadership, il a fait ce que du coup peut-être hasard, il est un peu azotique, l'endroit le bagarre, il y a une illusion de démocratie européenne, or la illusion de démocratie européenne, or la le peuple ou les politiques ou la démocratie européenne, ils ont aussi battu, il faut un peu y avoir moins dictature dans quand il y a la gestion de la République démocratique du Congo par rapport à une classe politique où tous en Yango. Et voilà, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous laisse suivre Augustin Kabouya. Est-ce que Augustin Kabouya a-t-il raison ou Augustin Kabouya a-t-il que nos chefs de l'État ont garanti un bon fonctionnement
yamboka ye azana droit ya ko mettre terme na ba discussion ou na ba différence ou na ba frustration nyonso za ko sama na ba caprice nyonso ba politique par rapport ya régime na dernier régime dernier mandat. Est-ce que faut-il problème ça na constitution mboka na biso, il faut-il couper sa pouvoir nyonso la chef de l'État pour ba pour ba bêtise yo et répéter sous sauté constitutionnel valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent les pieds pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me poser vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'UDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certaines questions sur les défis de Kinshasa. Je suis sénateur, mon mandat est national. Ok? Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin. Merci de nous avoir accueillis. Belé, à Roland Abisso, pour vous donner prochainement un numéro de Soussou. Portez-vous bien. Bye bye.